Dans le cadre du prix Bébé Lecteur, nous vous présentons La Cachette, un album écrit et illustré par André Prigent et publié aux éditions Didier Jeunesse. C'est une petite histoire toute simple sous forme de dialogue entre une femme et son chat. Ceux qui ont un chat connaissent l'amour des chats pour les boîtes et les cartons. Le carton, c'est justement la cachette d'Yvette, le chat de l'histoire. Mais alors, que cache-t-elle dans son carton ? La Cachette est un album au format agréable et les illustrations au style bien identifiable d'André Prigent en font un album très visuel. Elle utilise ici la technique du papier découpé. On aime cet album pour plusieurs raisons. On suit ici une scène très tendre entre une jeune femme et son animal de compagnie. On peut remarquer que la jeune femme n'est représentée de plein pied que vers le milieu du livre. Il y a donc un vrai mouvement, un vrai dynamisme entretenu par les différents plans qui évoluent du début à la fin de l'histoire. D'abord loin, le lecteur se rapproche tout doucement d'Yvette, page après page, jusqu'à ce qu'elle lui révèle son secret. Il est vraiment inclus dans ce moment de complicité et peut s'identifier facilement au propriétaire du chat. Ensuite, on aime aussi le suspense qui s'installe progressivement. Pourquoi Yvette se cache dans son carton ? Les illustrations rendent Yvette vraiment expressive, je trouve, dans son regard. On la voit presque bouger, se mouvoir, ronronner. En bref, c'est une lecture toute douce et tendre sur une thématique souvent appréciée. Nous l'avons déjà lu lors d'une animation conte câlin destinée aux 18 mois 3 ans, et cette histoire avait beaucoup plu aux enfants. André Prigent est une illustratrice indépendante que l'on reconnaît à son style d'illustration très personnel. Elle utilise souvent les techniques du papier découpé et de la linographie. C'est une autrice dont les titres marchent aussi très bien dans notre médiathèque. Vous pouvez retrouver d'autres albums d'elle à la médiathèque, comme par exemple « Ours et les choses »,« Le grand mouton »,« Poteau le chien » ou encore « Didoune ». Voilà, si vous avez aimé La Cachette, n'hésitez pas à visionner nos autres vidéos qui présentent les 8 autres albums en lice. Et surtout, venez vous inscrire pour participer au prix et pouvoir voter pour votre album préféré. À bientôt !